Bienvenue à votre cours de Modern Jazz. Aujourd'hui, nous allons travailler la cinquième et dernière partie de notre chorégraphie avant de nous retrouver, je l'espère, la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous allez d'abord visionner la chorégraphie dans son ensemble. Je me suis filmée à la fois de face pour que vous puissiez la voir en miroir, mais aussi je me suis filmée de dos pour me mettre dans le même sens que vous. Allez, c'est parti, visionnage, et on se retrouve tout de suite pour le détail des pas. Sous le soleil, il y a les cieux, et sous les cieux, il y a les siges. Sous les cils, il y a les yeux, et sous les yeux, il y a une île. Et sous l'île, il y a le bleu, et sous le bleu, alors, sous le bleu, L-A-U-R-E, sous le bleu, il y a l'aurore. Sous le sol, ensevelé, sous le sol, ensevelé, là, on se peut tout. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Chorégraphie ici de face après les deux pas de bourrée et puis on va entamer une descente au sol. On va descendre sur le genou, vous ferez juste attention quand vous descendez sur le genou ici, déjà vous ne tombez pas, vous amortissez, vous allez lentement et vous gardez derrière votre talon levé, vous êtes appuyé sur vos orteils en demi-pointe. Donc on commence, on descend le genou droit, on descend le genou gauche, on pose la main gauche. On tire la jambe droite. Ensuite, le bras va monter et comme s'il y avait un fil entre le pied et la main, on va tourner ici dans la diagonale. On est toujours, vous remarquez, derrière sur les demi-pointes, sur la demi-pointe. Ensuite, je vais venir emmener mon poids du corps vers l'avant, allonger la jambe, venir mettre le genou ici vers l'avant. Je pose la fesse gauche et puis je vais dénouer pour allonger les jambes et me retrouver dans l'autre diagonale. À partir de là, je vais ouvrir en flex, descendre en pointe, dérouler, replier les genoux et diriger les genoux vers la gauche. Ok ? Encore une fois. Je me mets de dos. Genou droit, genou gauche, main gauche, jambe droite, on tire, on se dirige vers la diagonale, on pose ses deux mains, on va plier vers l'avant, hop, grande fente. Le genou de derrière va venir se placer devant, on fait un nœud. On enlève le nœud, on allonge ses jambes, puis on va ouvrir, pointer, aller vers l'avant, dérouler, plier les genoux. Basculer vers la gauche. Et puis, on va s'appuyer comme ça sur sa jambe pour faire un cercle, comme un compas qui va aller derrière. On dessine un cercle avec la pointe de pied. Un deuxième. Hop. Vous voyez, je lève les fesses, je suis appuyée sur mon genou et sur mon bas de jambe. Et ensuite, ce pied va m'emmener, je vais suivre. Mes pieds vont rester au sol, c'est important. Hop, je glisse, je trace des traits au sol. Je reviens ici sur les genoux. Je finis avec le regard à droite, en haut,
J'enroule, je fais glisser mes mains de chaque côté et je me retrouve, la boucle est bouclée, je me retrouve dans la même position qu'au départ. Allez, essayons encore une fois. Je reste de dos, je pense que c'est plus facile pour vous. Et on descend. Genou droit, genou gauche. Main gauche, jambe droite. Et on tire, on change de direction. On plie devant, on tend derrière. On plie derrière, ça passe devant. Et j'enlève le nœud, je passe en flex. Un, vers l'avant. Et je déroule doucement. Et je plie. Je tourne les genoux. Je me lève. Je pars derrière. La deuxième. Cette fois, je pars avec mon pied et je glisse, je trace des cercles avec mes jambes. Et à genoux. Et un. Le regard en haut. Et je plonge. Et je tire. Bien. Je vais vous le faire une fois comme ça de dos avec la musique. Mais d'abord, on va le faire de manière un tout petit peu plus rapide pour respecter le tempo de la musique. Donc, une fois un petit peu plus rapide et après en musique. Sept, huit. Et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 en avant, 7 tiré, 8 genoux vers l'avant, 1, pose la fesse et 3, 4 tiré, 5, 6 en avant, 7, 8 déroulé, 1, 2, 3, 4 et 5, 6 en arrière, 8 je me relève, 2, 3, 4 et je reviens, 6, 7, 8, la tête et 1, 2, on tourne 3, 4, on roule 5, 6, 7 et 8. Une fois avec la musique. Et déroule 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, on revient, 6, 7, 8, tête, 2, 3, 4 et j'enroule, 6, 7, 8. Sous l'orage, il y a les amants.
Je vous remercie d'avoir suivi encore une fois cette semaine la chorégraphie, le tuto choré. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos pour que je vous voie danser, ça me ferait plaisir. Et j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine en vrai pour travailler ça ensemble. Merci.